Amis téléspectateurs, un gros bonsoir pour nous tous. Et nous bien contents ensemble à vous pour nous capables présenter émission pour là ou bien show pour là qui c'est Haïti Foot TV qui c'est PAM qui c'est pour c'est pas nous tous. Et chaque fois m'a présenté émission ça, m'a toujours bon cœur content le fait que m'a parlé ensemble avec un joueur football parce que on est là ça l'ensemble ou bien joueur ensemble à vous, joueur qu'on joue contre vous, joueur qui connaît ensemble à vous, joueur ensemble avec vous pour venir parler de football, c'est toujours avec un pile cœur content que m'a toujours aimé faire ça. Et c'est ça qui Haïti Foot TV a. Nous prenons joueurs pour nous capables de faire joueurs parler de carrière, de ça qui a été fait dans la carrière et qui ça a pas tant de carrière que vous même vous pas joué. Alors, aujourd'hui, on a un pile privilège pour nous capables de recevoir un joueur qui pas un ancien joueur parce que vous connaissez un pile ancien joueur qui passait, mais nous capables c'est un joueur qui était très brillant l'a tap joué. Et nous allons pour nous parler ensemble avec Ilsena Richardson lui-même. Et vraiment là, monsieur parle nous de carrière, il parle parler de football haïtien. Et monsieur te font coûtant jouer dans l'autre pays tout. Mais là, nous parle parler avec, il parle dire nous dans quel pays qu'il t'a évolué. Nous allons marquer première pause dans l'émission, là nous retournons après tourner avec Ilsena Richardson, madame, monsieur. On parle de football sous Haïti Foot TV. Historien, dirigeant, footballeur, habite, fanatique ou même spectateur, ou bien place ou tout pour commenter, partager avec nous comment nous capable offrir une autre image de football. Nous retournons après pause là, madame, monsieur, je nous annonce au lien. Nous sommes ensemble avec nous sur le plateau à la Ilsena Richardson, un joueur qui passait de présentation pour ça que monsieur Gatan fait dans le football. Là, nous parlons ensemble avec monsieur. Ilsena, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de venir avec nous aujourd'hui. Hein. Haïti Foot TV et qui a fait une belle promotion pour jouer et ancien joueur qui a joué football à Haïti et qui a toujours joué Réellement là on connaît nous mêmes j'en dis assez promotion a fait pour football et football haïtien avec un joueur parce que nous mêmes nous on tient du des équipes qui tellement te connaissent le football et puis tout le grand public a pas réellement connaît nèg ça nous pas dire les cas de tel joueur nous gagne pile joueur que nous mêmes personnellement nous connaît qui te connaissent le football mais grand public a pas et ça fait et nous mêmes Haïti Foot TV staff là nous prenons les soins pour nous capables à chaque fois pour nous montrer mon nouveau joueur ou qui c'est ancien nous toujours dit ça ou bien qui c'est nouveau joueur nous toujours prenons les soins pour nous capables parler ensemble avec monsieur. Alors Ilsena Richardson c'est on est qui né à Port-au-Prince, monsieur fait le 8 juin 1982 monsieur c'est né à Port-au-Prince, j'aime sur Doulala et puis monsieur passé paquet de club nous parlons pour nous parler parce que monsieur nous parlons pour nous parler de ça. Alors levé Port-au-Prince et après ça on va aller dans Range Croix des Bouquets qui bon exactement Port-au-Prince où tu levé. Bon on fait Delma 3 mais on pas arrêté Delma 3 et moi move et Maïgaté à 2 ans et ensuite et à 4 ans on commencé dans l'école de football que les Super Wiz et qui ban pile belle jeu football et là Bonne Pierre et fait premier touche tout. Et après, je suis venu la plaine, la parole est venue bâti, et papa, spécialement, je suis un petit football, je suis tel qui apprend à jouer au football. Et après, je suis rentré chez Kouadé Bouquet. Rentré chez Kouadé Bouquet, je suis une belle expérience avec un petit formateur jeune qui était à l'époque, et c'est Maxime Auguste, ensemble avec Charlie Eliazar. Et ensuite, Charlie Eliazar, après, je suis venu faire un an rentré chez. Et avec sélection U17 il me prend et il m'emmène dans Olado pour monter à la première division. OK, et vraiment là début ensemble avec et début dans football c'est vraiment c'est et dans Range Croix des Bouquets où vraiment commencer et pour connaître compétition qui existait. Oui, dans Range Croix des Bouquets avec sélection U17 là et je joue première compétition c'est et tournoi des Grandes Antilles, face à Saint-Domingue et Martinique et sélection parce que nous avons fait et jouer et style coup de compétition ça yo nous avons passé à côté mais après nous avons Cuba nous et Venezuela nous avons tourné nous avons ça a bien passé pour nous et c'était une belle expérience de vivre dans avec un pile grand joueur et en dedans un pile talent. Dans l'équipe ou là dos ça ou venir entrer là dedans bon joueur personnellement moi son joueur je pense que monsieur était contre jouer dans l'époque là monsieur le jazz monsieur et monsieur Tidja Juben Chéri voilà et monsieur même Negdelma monsieur était tout lui-même et monsieur était joint dans l'équipe pour la doua alors tu es arrivé comme jeune pas ou pas de aucun problème ensemble avec monsieur pour nous te jouer ensemble parce qu'il était joueur mineur du jeu problème qui te gagne l'aime te fait arriver c'est avant ça que nous t'ai avant
avant pour comme neuf et monsieur c'est un 10 classique de, et monsieur défend pile passe qu'on fait pile passe pour le jeu mais hélas et son plaisir pour me jouer ensemble avec beaucoup de monsieur avec tous les anciens joueurs ou là de nous vraiment une belle équipe et m'étais adapté bien les mêmes qui finissent soutenir en range et avec Charlie Eliaza monsieur même équipe là me dit tout et start dans l'équipe là et sans problème ensuite me devine pour une blessure après et me fait 6 mois chita après me devine commencer juste et carrière me finir ensemble avec eux et en 2005 Alors, quitter l'équipe Oulado de la Gonavla, nous ne pouvons pas quitter Oulado, bien entendu. L'équipe Oulado de la Gonavla, c'est avec nous jouer presque toute gloire. Tant que l'aime parler de gloire, dès que vous champion avec une équipe, c'est gloire jouer la donne. Ça veut dire que l'équipe Oulado entre de 1999 à 2005. Mm-hmm. Premier titre, nous, qui premier titre nous avec Oulado? Premier titre, là, c'est vice-champion 1999. Même année, nous venons vice-champion. Vice-champion des Aides Violettes? Et des Aides Violettes. Ok. Non, derrière Doricine, laisse à Récine Bat Violette. Récine Bat Violette, yeah, ok. Nous, c'était Violette qui était champion en 98. Yeah. Ok. Nous vîmes champion après ça, contre CACAF. Après, Charlie vient quitter l'équipe là. Nous vîmes contre Eyo, nous avons un coach étranger qui c'est Marcelo. Et monsieur prend l'équipe là, nous font un bel stage. Nous devons être préparés à la physique qui était dans la sélection. Et bien, non, monsieur, nous n'avons pas échappé. Nous devons coach de Don Bosco. M'si préparé on va parler de Claude Geoffrey. Claude Geoffrey travaille avec nous bien dur et nous commençons trois fois par jour entraîner. Trois fois par jour, matin, midi et après-midi. Et nous faisons un bel stage, nous faisons 22 jours Saint-Domingue avec les tournées, nous crassons le championnat. Jusqu'à maintenant, nous gagnons le record. Et nous prenons un goal dans la 8e journée, ensuite nous perdons depuis. Dans la 10e journée, nous sommes depuis la 11e ou 12e journée. Vous parlez de record qui va nous record au point de vue de points. Point record, c'est 47 points liés. Sous combien? Sous 15 journées. Sous 15 journées, nous faisons 47 points. Yeah. Wow! Et là, mais ça m'a parlé, nous avons quelques choses qui gagnent dans le championnat. Si ce n'est pas un joueur qui explique, nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Moi-même, personnellement, je n'ai pas gagné un chiffre. Je joue au championnat national. Je joue fait n'importe 8 ans, je joue au championnat national. Parce que je commence à jouer en 2008, en 1998. Il me fait 2 ans pour la première division. Même pas qu'à compter combien de matchs moi joué réellement. Est-ce que vous avez changé combien de matchs vous jouez? Où est-ce que Mabdoula là? Faut me d'abord un paquet de joueurs. Donc parce que même mentor qui regarde, même toi regarde là, même regarde comme nèg qui joue en pile dans le championnat, yo, si vous fait là, vous cliquez sur fédération, on garantit pas cap compter combien de matchs monsieur ça joue. Pas que vous connaissez pas gain archive. Et c'est plus gros problème normalement, on ca dire combien de matchs nous jouer. Nous avons joué en 80 matchs. Parce que nous jouons. Ou quand jouons en premier match. Même pas qu'à et chiffre là exact. Et chiffre là, voilà. Alors que nous avons gagné Pierre Jean-Jacques dans le passé sous sou plateau nous là. Il dit nous combien de matchs nous avons joué au point de vue international. Nous même nous voulons en Haïti, il faut que nous prenions des choses pour nous qui sont. Parce que c'est ça Haïti Foot TV a fait là à l'heure actuelle. Parce que jouer ça, les gens gardent l'autre joueur autant de parler du passé. Yo senti yo même si yo te bon pays même j'ai ensemble avec yo tant que jouer y a parlé de quel que soit joueur qui t'est passé dans l'époque là yo ni paraît yo dit mais ça négaté qu'on fait nous même comme ancien joueur l'étape important pour nous en pile que yo ouais pour nous dire mais ça monsieur t'est qu'on fait et pas pour tout que vienne chita là vienne parler c'est pas moun qui pas contre ça dire c'est moun qui pas sous t'attendre derrière micro ça bagaille que n'a discuté avant là l'air pas passé émission va passer parce que nous tellement gain bagaille nous partager là nous on a parlé bagaille sélection là moi même que dommage que m'pas jamais faire partie de sélection nationale même grand pile zanmi qui t'ai fait mais au saut temps de grand matin là t'as pas ensemble avec monsieur qui ça t'est passé Saint-Domingue qui ça t'est passé Uruguay qui ça t'est passé tel côté mais nous même nous pas connait alors le scénario Richardson nous connaît tout joueur haïtien frustré de ça de passer yo même personnellement yo changer parce que parfois oublié mais ou même pas vraiment et le football haïtien ou bon bagay ou regret en pile et c'est ça me regrette m'pas que dans jouer dans un gros championnat dans une grosse ligue comme en Angleterre et m'te gen talent pour me jouer dans n'importe côté et c'est ça me regrette et à chaque fois couche au pense à ça m'te toujours prévu ça moi même c'est là toujours dit qui raison que fait m'pas jamais jouer dans une ligue comme ça mais est-ce qu'on connaît agent c'est agent m'te voilà ça c'est une cause yo et nous manquons d'âge pour signer un joueur nous pour placer nous à l'extérieur mais moi pense à l'avenir si nous gain nous grand plus joueur cap jouer pour là et c'est mon c'est âge prend yo qui voyou là-bas mais et génération Jean-Jacques
Peter Germain, Chéri Mounès, moi c'est nous qui jouons dans la Pigo League. Nous pensons ça. Oui, c'est une génération de monsieur époque 81-82, ça où monsieur sorti jouer, il était gagné même l'âge que les messieurs sont à jouer dans la sélection nationale des moins de 23 ans. C'était toujours une belle bagaille pour garder. Et pour ta ouais monsieur Sao Léo t'a vu c'était une belle équipe de football qui était grand player dedans et belle joueur là-dedans. Alors il s'est Richardson là nous petit genre compliqué pour moi là sept clubs ou passer là on seul qui seulement Santo Domingo. Parmi sept clubs là on gagne Baltimore ensemble avec Roulado Saint-Pierre mon champion. Mais faut que nous explique faut que nous dit avec un téléspectateur yo équipe ou là équipe soit champion qui c'est Roulado c'est le sorti dans top football mais dans top niveau mais dans l'autre yo on pas dans top niveau ouais m'ai devenu gagné et 2007 me fait 2 ans ici aux États-Unis aux États-Unis me fait 2 ans après m'ai devenu tourner Haïti et m'ai devenu jeune Zenono coach moi et j'étais vraiment encadré boy ici dans le sens et m'ai devenu vraiment obèse j'étais venu entraîner ensemble avec m'ai fait en sélection diaspora on a joué et Connecticut New York nous fait tourner et mais on italien qui t'a fait tourner ensemble avec nous et monsieur Le Pasquale et monsieur était vraiment joué en Italie et dans Naples et qu'on y a pas de papier pas de légal c'est nous dit faut tourner Haïti pour mal avec les papiers bah ça ensemble avec Simone il parle avec Simone Simone dit bon mal dans Baltimore pour vraiment en shape pour me continuer jouer et c'est un rêve pour moi pour d'aller en Italie et me tourner et le ça Naples 2006 c'était dans deuxième division à peine n'a monté mais c'était bon un bel office mais comme qu'a fait ça ensuite me dit ici pour la fin il me dit m'a tourner à jouer mais devenir Baltimore j'ai 6 bons matchs pour monsieur mon champion mais ça va devenir arrivé fait man c'est passé ils ont devenir perdre contact et monsieur c'est pas intéressé encore et fait me perdre contrat. Ensuite, j'ai toujours une jeune visa back à cause et j'ai toujours joué pour Baltimore. Ensuite, j'ai devenu tourner ici. Après, mal joué dans Don Bosco. Et j'ai fait un an campé à cause de transfert qui pas trop qui ensemble avec Don Bosco avec Baltimore. J'ai devenu tourner jouer avec Don Bosco. Là ça me dit pensé me devenir dans top, mais là ça devenu coach. Là ça et au coach maintenant Don Bosco. Don Bosco. Et me dit qu'on ça fait goal et ensuite et ça vient camper là. En pile bagaille que Richardson commence à parler là, sous pas vle, sous vle pourtant de rester branché ensemble avec nous, nous pouvons marquer deuxième pause là. Là nous retournons là, toujours bien Richardson là, il est ensemble avec nous, avec nous posé là. En pile bagaille, monsieur Gatandi là, je ne sais pas si vous m'avez noté, moi je m'en ai noté. Nous avons proposé à nous retourner tout à l'heure. On parle de football sous Haïti Foot TV. Historien, dirigeant, footballeur, habite, fanatique ou même spectateur, ou bien place ou tout pour commenter, partager avec nous comment nous capable offrir une autre image de football. Nous retournons encore après pause là, madame, monsieur, pour nous parler ensemble avec Ilsena Richardson qui est ensemble avec nous là sous plateau nous, Haïti Foot TV, qui c'est femme, qui c'est pauvre, c'est pas nous toutes. Et nous toujours aimer dit ça. Lorsque nous gagnons un joueur, on n'a pas ensemble avec un joueur, ça a toujours fait nous plaisir. Parce que nous voulons jouer haïtien ou gain visibilité qu'on y a là quel que soit les gars mais t'as venu pas de côté dans le monde là nous voulons nous-mêmes faut nous capable et ouais jouer à qui j'ai un performance jouer à et même l'Elvin pas jouer encore nous capable parce que qu'on y a là l'actuel n'a pas les nous là il c'est là où est j'étais ensemble avec nous là les nous pas regarder émission là n'a pas regardé émission nous pas le ouais côté qui ont fait pénalité sur monsieur en 2004 Haïti qui t'a joué avec Brésil dans match pour la paix que nous pensons que n'a pas joué ça quand même ça nous va capable joindre n'a pas qui te font pénalité sur monsieur. C'est lui même qui ensemble avec nous là, c'est son privilège pour tout staff là pour nous capable gagner ici dans là ensemble avec nous que majorité nèg qui passe là yo et des de gros joueurs qui passe là regret que yo gagne, c'est le fait que yo pas jamais joué professionnel. Nous capable compter, nous pas Tigana, une n'a plus gros nom. Chalalet passé, il dit qu'il regret il pas joué professionnel. Et encore que nous gagnons une signal là encore, mais je souhaite pas la possibilité de gagner pour la jouer en équipe Napla, que ça n'a pas arrivé fait. Pendant ça n'a pas arrivé fait là, ou qui question posait tout, ou parce que est-ce qu'on a origine problème là? Le problème là, c'est un problème qui était bien simple. Je me suis à Haïti et je champion avec Baltimore, je 6 matchs et je me suis pour la compétition. Pablo, je me suis dit que Zenon qui était
des fois et trois fois quatre fois par semaine il qu'on a l'entraîner ensemble avec moi. Et mais problème là et c'est un très simple, il manque compétition. OK. Et après je suis allé à Baltimore et je voulais aller à Port-au-Prince pour me joindre un club dans la capitale là avec Don Don Bosco, ça va arriver fait. Même j'ai signé un contrat de 2 ans avec Baltimore. Et je me suis supposé respecter le contrat, mais il y a un petit problème et je me suis fait 6 mois chita après je suis allé jouer dans Bosco. À l'heure actuelle, je connais des boussies en contrat avec une équipe. Est-ce que si vous ne pouvez pas payer au côté de l'équipe là, et si l'équipe là, si vous ne pas jouer, vous même pas de sanction contre vous. Mais même si vous ne pouvez pas payer, est-ce que vous avez un côté pour capable de payer l'argent? Et dans le nouveau contrat, je suis signé ensemble avec et ni à Baltimore, ni ensemble avec Victory. Depuis le club là, il y a 3 mois le papier. Et vous supposez, vous sont joué libre 3 ou 6 mois exactement marqué dans le contrat. Mais chance et ma chance de gagner, Baltimore est toujours payé, l'autre équipe est toujours payé. Mais aucun plaisir de gagner pour la fédération. Ou à quelqu'un peut être capoté. Alors nous connaissons pile problème ça en dans football là et jouer à cap jouer pas capable il pas capable budget sous n'est capable jouer sous et cop contrat ça parce que c'est pour bagarre libre jouer régulièrement et ça fait que les nègres pas jouer ils viennent choisir pour aller font l'autre bagarre soit les gars madame beaucoup qui monter viennent jouer à lui même les pour bail jouer à problème mais faut club là connaît que est-ce que son joueur payé à l'heure pas grand qu'un problème cob ensemble avec pour capable prendre sanction contre monde là parce qu'on pas capable sanctionner monde pendant ce temps cob monde dans la main et il y a pile bagarre comme ça qui fait il y a pile joueur vient jouer madame vous c'est pas vouloir ouvrir vienne jouer c'est parce que joueur et club pas payé ou les ou vienne jouer sanctionner joueur et puis tout ou pas capable doit être sanctionner encore pas contre si ça arrive ça une injustice lié pour moi et normalement moi toujours fait contrat et pour dirigeant respecter contrat. OK. Depuis cop moi même m'a pas joué madame Gougous. Mais depuis pas respecté m'a joué madame Gougous. Imagine c'est même jouer ici en la défense même comme une jouer ici. On équipe cabo 300 200 dollars pas devine qu'on vient jouer. Puis souvent ici 2005 dans Masters avec coach Roland et on a bon 300 dollars par match. Et ensuite des fois 400 dollars même. Haïti m'a jamais gagné chance fait comme ça. Nous maximum dans sélection. Et so et normalement m'ta préféré venir dans Managous là où m'était à jouer à Haïti là parce que c'est ça m'a expliqué nous ici jouer à Alca joindre 4-300 dollars par match Haïti il pas joindre cob là il est difficile tout le monde besoin l'argent pour vivre mais au même on gagne un statut pour mettre ou gagne une discipline pour mettre en dans équipe pour faire jouer à depuis n'a gagne visa son privilège lié pour lui-même. Pour les gens, ça veut dire que le cas voyage. Depuis que le cas voyage, il n'y a pas de l'autre bagage, il n'y a pas de connaître que le vin connaît. C'est ça qui fait que le club nous est supposé faire ça. Nous avons toujours été dans le cas, et ensemble avec Elsina Richardson, un jeune joueur. Kounyo, pas jeune joueur encore là. Parce que 34. Dépasser la Jésus-Christ. Dépasser la Jésus-Christ parce qu'on pas joué. Et 7 clubs ont passé, parmi lesquels un seul club qui est dans le pays Saint-Domingue, et qui est le Villa Tapia. Ba nous expérience ou faire dans Villa Tapia. Bon et c'est une belle expérience et on est chez l'ancien mais on a les professionnels net. Mais à l'époque tu peux quoi aussi. Il était semi professionnel. OK. Il était gain site, il gain toute bagaille net. Club moyen, moi quoi lycée une 5 top club qui était gain à l'époque. Ça qui année? Et 2014. OK. 2014, on déjouer pour eux. Il pas payé par mois. Il payé par match. Des fois, bon, 200 dollars par match, 250 dollars par match. Et américain. Américain. Des fois, et Haïti, ça fait 200 dollars par match, et pour moi, là, bon, 800 dollars. Haïti, par exemple, un club, comme ça. Non, c'est difficile. Difficile. Extrêmement difficile. C'est professionnel net, oui. Ok. Et Kounia, les professionnels net. Coca-Cola dépense un pile cob et Banque République dépense un pile cob. So, et on est qu'à faire n'importe 3 à 4 000 dollars, c'est dommage à l'aise. Mais Kounia là, mais téléspectateurs, faut que nous comprenions bien. L'argent qu'a dépensé à l'actuelle Saint-Domingue, dans l'époque où tu es allé 2014, c'était semi-professionnel. Kounia là, yo Charlie Hall Junior, il y a plusieurs joueurs qui ont joué, mais plus gros nom c'est Charlie Hall ensemble avec Babalito qui a joué là. L'an 10 ans, je pas connaît tout ça fait ici Foot TV là, parce que faut que nous disions que l'or est moi avec M. Chita là, puis gros pense que c'est moi avec M. Chita. N'a pas tout fait une rectification pour les spectateurs que tu as là le Sénat dit que c'est 47 points de fait en 15 juin c'est 37 de la part de Daniel Mento et qui c'est ancien coéquipier monsieur Andre qui pour la doa
Il dit, monsieur, c'est un érect tombé là. Parce que moi-même, pendant que je parle, je me dis un bagage qui passe. Et pas seulement avec monsieur Kishita, ensemble avec papa, ça a shooté l'émission qui là, non? Non. C'est un staff qui là, a fait un travail pour nous capable de porter la gueule de yon. Bah, où? L'OL vient de yon, là, il va consulter de yon. Nous disons merci ensemble avec Daniel Mentor qui là, qui a observé. Et tout l'autre monsieur, Grimali, même, debout, un petit l'huile, t'as passé bon figuim. Monsieur dit, non, avec moi, comme ça. Et tout le monde connaît Grimali Batelmi. C'est un bah, normal qu'a fait là. J'en ai dit, là, pas qu'on est. Nous avons un gros débat pour nous faire sur ça nous-mêmes parce que là Haïti Foot TV là est-ce que dans 10 ans c'est nous-mêmes pas quitter nous derrière parce que quand on bail plus scope li gagne un terrain et jouer le besoin simplement là li et jouer besoin mais il y a pile nèg qui sont en Amérique du Sud et puis où vient pile nèg qui sont en Amérique qui vient jouer et c'est domaine m'pas quoi que problème jouer connait non ensuite puis bon jouer nous gagne là il va aller so championnat nous et dirigeant faire lever pied yo puis on cherche sponsor pour les maintenant tout et nous on a dirigé au pas boîte mais faut chercher sponsor tout okay. Parce que sponsor qui voulait venir investir dans le football Haïti connait là est-ce que c'est par rapport avec problème politique pays là ou bien c'est nous dit nous qu'on joue nous gain talent et puis tout les on vient garder ouais nous pas gain talent vrai parce que calculo club gain problème pas eux joueur gain problème pas eux tout oui oui ça gain pile joueur qui indiscipliné oui ça a fait mais et si un club tout en Europe club yo c'est sponsor qui fait puis faut club pour acheter un joueur des fois regarde on achète un joueur c'est la banque qui prête comme pour acheter un joueur casser banque là oui casser banque là même mais nous même nous pas rien ça joueur équipe celle qui ensemble avec nous mais m'pas que comme là suffit pour les de tout club de gagner yo moi-même ça que moi ouais il s'est allé actuellement on a parlé là yon semi professionnel qui paye $250 par match qui l'on paye $250 par match il vient boire $1,000 à il vient boire $1,000 américain parce que $250 par match c'est 4 matchs il vient boire $1,000 américain or que gain pile joueur national championnat national là qui pas touché même $400 américain le mois il était semi professionnel kounya faut n'a pas Charlie Wall quand même sur plateau ça faut que c'est avec Charlie Wall pour nous ta connait contrat là mais comment le fait contrat là parce qu'on expliquer contrat pour là c'était pas semaine au pays ça veut pas match au pays. Ça veut dire que son championnat qui gagne à quitter nous derrière. Gagne en pile joueur haïtien qui a brûlé, on va faire $100 américain par match. Je ne sais pas si vous avez envie de ça. En pile joueur qui a brûlé dans le championnat national. Là. Ça a fait. Parce que $100 américain par match, il gagne $1,000 haïtien le mois. Oui, $4,000 le mois. Et pas le mois, non, par semaine. Par semaine. Par semaine. On fait 4 semaines, il gagne $4,000. Mais je ne vais pas faire $4,000. $4,000 sont gros sommes pour jouer à jouer. Je ne vais pas dire tout jouer, non. Oui. Cap jouer à Haïti, là. $4,000. Le club, c'est 15 000 gouttes, vous voulez camper avec moi. Normalement, on dirige un club, on veut pour $6,000. 30 000 gouttes. On a trouvé, c'est riche. 6 000 dollars, pas présenter. Soit on fait manger, on dit, on fait manger 3 fois par jour, 1000 gouttes par jour. Quand vous finissez, on va pour l'école. L'école, payer. Si c'est dans le loyer, oui. Petite moins l'école. L'école, petite moins, après, c'est coûté $15,000 par année. Imagine nous map jouer on va jouer pour $3,000 $15,000 par an on pas quelque cobier quoi ici pas quelque cobier mais si moi je pour nèg là pour $3,000 dit yo paye nous contrat me connaît c'est 10 mois on va payer yo paye il va payer il va payer 12 mois ça vaut $30,000 ça veut dire $15,000 pour mais seulement ça côté manger abonnement et comment fini comment que tu as fini et tout comme vous êtes fini là carrément dans budget là carrément pas prétendre rien parce que là on pas rien quoi pour même pour vêtements main comme vêtements ou pas parce que faut acheter sur le football ou main comme vêtements un main comme si besoin venir faire vacances ensemble avec madame avec petite moi parce que ou bien possibilité pour ça madame pour faire vacances avec petite moi il va capable parce que un ticket kounia là ça va acheter dans jet pour n'importe compagnie yo m'cabelo moins 200 $300-$400 mais aller moi même madame petite moi m'pas acheter rien mon seul petit tout gain mon seul petit marié et Anne Gressy et Farisha Yusena qui moi en pile ensuite madame moi et Fabiola Gilles qui nous supporte dans tout ça en fait et dans la vie faut une bonne femme pour qu'a forme un bon foyer on gagne autant de vous marier. J'ai marié depuis 2011. Depuis 2011? J'ai 5 ans mariage. J'ai 5 ans mariage là. J'ai 4 ans. Et belle bagaille, nous aimons ça parce que j'ai un pile joueur haïtien. Moi, ça m'a avec nous, mais je vais nous conseiller. Vous ne pouvez pas jouer au football pour 15 filles. Professionnel par la donne. Vous ne pouvez pas professionnel et tout. Vous ne pouvez pas dire que vous jouez au football pour 15 filles. Tout le côté passé, débouté quand on fait un goal dans le championnat national là, c'est celle de vous qui m'a parlé. Monsieur, changez bagaille là pour nous, s'il vous plaît.
Parce que si nous voulons être dans le cadre professionnel, là, nous voulons pour nous gagner un contrat professionnel. Jean Oué et Talia, là, nous avons parlé de Mathieu Santos qui a sauté avec Bayotan, Daniel Mento, tu as dit, un professionnel, reste un professionnel. Même à 40 ans, là, vous avez vu son professionnel. Lié. Ça veut dire que joueurs haïtiens, nous demandons nous-mêmes, nous gagnons pile en pile en pile l'effort pour nous faire. Alors, vous passez deux équipes de deuxième division, là. Nous passons amateur ensemble avec AKR. Uh-huh. Et amateur, c'est et mon compère, Mzamo, qui te fait off-lan. Okay. Et nous avons une belle génération. Avec génération, ça a eu le cas. Le cas de la division, nous avons fait expérience ensemble avec eux. Ça a été fait qu'un sénateur, un sénateur qui sorti, c'était Soleil, qui t'a investi dans l'équipe-là. Nous avons tant de chance pour nous jouer, pour nous démonter, mais ça n'a pas arrivé à faire. Même là encore, même que sénateur a été venu t'apprendre l'équipe là, comme sénateur a touché, il n'a pas qu'à gérer l'équipe là. Même que sénateur a eu un sénateur avec, effectivement. Et là, sénateur a touché en pile comme en Haïti, c'est vrai, mais il n'a pas qu'à gérer l'équipe là. L'équipe a besoin en pile d'argent. Et pour amateur, quelle sensation tu as eu l'autre pour amateur Cité Soleil? C'était une belle expérience. Je n'ai jamais joué deuxième division dans la ville. Toute équipe, c'est la première division. Et je voulais faire expérience dans tout. Je voulais vivre les tensions qui gagne dans la deuxième division. Il y a une pile panique. Dans la première division, je voulais tout. Mais je voulais vivre l'expérience de la deuxième division. Bon, ça a été une belle expérience pour moi. Mais je suis arrivé qualifié pour les playoffs pour jouer pour monter la première division. Mais quelle différence en termes de pression qui gagne entre la première division et la deuxième division? Et pression fanatique. Parce que la deuxième division. Et l'équipe a toujours voulu pour le monter et jouer l'élite là. Okay. Et gagner en plus de pression. Si je l'ai joué à l'extérieur. en pile, parler là, moi, c'est ça que fait me dire nous-mêmes, jeunes joueurs qui gardent la Haïti Foot TV. Qu'on pas quelques bagailles que nous ne connaissons dans le football là. À chaque grand joueur nous parler, moi-même, toujours noté de ça, de l'expérience nègre là. Ça veut dire que quel que soit le monde qui parle avec là, après ça, moi-même, garder l'émission. Après, je viens regarder l'émission, je me dis, mais ça m'a noté de Ilsena Richardson. Nous prenons la deuxième pause dans l'émission, nous retournons ensemble avec Ilsena Richardson. Nous avons causé ensemble avec monsieur, nous avons parlé de carrière football, de lui-même personnellement. Nous avons proposé, nous avons retourné tout à l'heure, madame, monsieur. On parle de football sous Haïti Foot TV. Historien, dirigeant, footballeur, habite, fanatique ou même spectateur, ou bien place ou tout pour commenter, partager avec nous comment nous capable offrir une autre image de football. Amis téléspectateurs, nous retournons pour nous parler ensemble avec Ilsena Richardson que nous avons sur le plateau là. Et vraiment là, on a un pile parole que j'ai parlé. J'ai parlé en pile bagarre ensemble avec nous là. Et c'est nous-mêmes nous vraiment contents. Lorsque nous avons un joueur qui a parlé de carrière, parce que nous avons fait 3 ans simplement, il doit faire 4 ans simplement, il doit même faire 1 an, même il doit faire carrière, parce que carrière, c'est commencement avec fin, c'est lui-même qui carrière. Alors, est-ce que vous mettez fin dans la carrière, dans carrière football? Nous voulons jouer, mais les conditions et les dirigeants ont traité les joueurs, et bon, mon petit bac, chaque temps, mais essayer de jouer encore. Conditions pas bon et nous voulons faire un enjeu mais bonne nèg gen famille et nous gen l'autre bagage nous voulons faire en perspective. OK, c'est ça qui ca permettre que au pas ta font un an 10 ans jouer. Yep. OK. Non parmi trois titres championnat national ou prend là ou prend en 2002 avec en 2003, une en 2007 deux avec en Roulado de la Gonave et puis tout l'autre ensemble avec Baltimore. Qui pi mako nan toi yo? Ça qui pi marqué nan c'est Roulado. Deux titres Roulado yo. Et pas Baltimore marqué tout parce que m'te campé pendant 2 ans pas jouer et m'te jwenn équipe qui vraiment stable dans la champion ensemble avec ba m'te essayé ba coup de main pam m'te champion mais pas Roulado marqué et à cause et nous fait en pile record dans championnat. Okay. Nous fait 37 points ensuite et Clama fait 8 journées pas prendre goal. Nous avons une meilleure défense là, nous avons fait pile goal et c'était une belle expérience. Et nous avons fait avec le champion Roulado de la Gonave là. On allait bien rapide pour nous. Nos équipes côté qui viennent de Tigana, viennent de Colline ou de Vinlato. Nous avons joué deux messieurs ça. Deux nègres qui aiment les ballons, les a joué les ballons. Ou censé ou nègres qui aiment les ballons en tout, les a joué. Comment tu es entendu avec toi, Mounza, pour nous jouer ensemble? Ça va créer aucun problème. Et... Nous avons trois maestros qui passent le ballon, qui jouent.
la fin fait petit coup à l'albaïli. Ensuite, nous t'entendons nous vraiment bien. Et nous avons un agent technique qui tenait l'équipe en demi. C'était vraiment excellent tout. Et je vais mener l'AS et tenir l'équipe là. Nous avons une belle génération. Et ça ne va créer aucun problème. Ensuite, nous avons commencé à jouer. Nous avons dit dans Hunch. Et c'est idole, mon monsieur Saoté. Et c'est un plaisir de jouer à côté. Alors, monsieur Saoté dans l'équipe là, tant que vous avez gagné ensemble avec Johnny Descolines, ou même qui vient faire troisième, dans quelle position tu joué? Nous avons joué à gauche des fois et nous joué avec deux avant-centres. Nous avons joué avec un point, c'est bien là, nous avons joué des deux. Des fois, nous tous les trois n'avons pas de chance de jouer en pile. Tout. Et à cause de la sélection olympique, nous avons fait un an ici. Okay. Et 2003, il ne faut pas qu'être temps ici et avec la sélection et pour nous jouer. Et Athènes quoi, Athènes 2004. Oh, j'ai Olympique Athènes. Olympique Athènes 2004. Et nous avons tellement pu jouer, mais nous jouer en pénalité bien entendu. Joueur préféré ou même pendant joueur préféré ou haïtien qui est-ce lié? Ah, mon paquet. Nous avons Menelas, non et Pigou avant ça ne va jamais ouais. Ok. Nous avons fait mauvaise passe et tout vont ils vont passe décisive. À cause de vitesse, monsieur, shooté à tous les pieds, c'est un jeu de tête. C'est toujours et fini en deuxième, mais but et troisième, mais but et où il prend petit chia. Toujours dans le top 3. Toujours dans le top 3. Et moi, mon chéri, mes amis Pam, comme médecin défensif, les poules accélérer, les poules mettre tempo, dans le jeu mettre tempo. Et Peter Germain, pour Carrielli. Et comme médecin défensif, toujours fait 8, 10, 15 goals dans le championnat. Et le concours carrière depuis 2017 jusqu'à maintenant, là, je joue toujours au même niveau. Okay. Et Bruni Pierre-Richard. Au grand pile, je vais préférer. Au grand pile, je vais préférer. Mais là, on a pour prendre un grain, pour prendre un seul. Mones. Mones. Et comme je vais préférer. Mais qui est-ce qui était idole ou bah il c'est la même génération que tu as joué avant pour idole ou pendant tes petits tu as gardé le cap joué ou si tu as même vu tant pour monsieur idole moi c'est Rosemont Pierre si Rosemont Pierre des chasses ouais monsieur on fois papa monsieur fanatique défense fanatique papa mourir et monsieur fanatique avec le noir rouge monsieur toujours même dans match depuis tout petit 7 ans 6 ans mal dans match et dernière fois moi Rosemont c'était mon match et avec le noir racine papa me mener mal avec cap joué. Laisse ça ou t'es enjoy, monsieur. T'es enjoy, monsieur, qu'a joué. Accélération, de Benegio, à facilité, et mander une deux, placer ballon, côté le vlemet là. Ok. C'est de l'idole, monsieur. Bon, si vous avez joué avec monsieur, c'est un plus grand joueur pour vous. Carrément, carrément. Brave, j'aime regretter. Brave, j'aime regretter. Alors, nous-mêmes là, il faut suivre, il faut que nous nous et parce que moi, je suis toujours content, parce que ça fait me content. Parce que là, nous-mêmes, nous là, émission à fait là, nous avons tous les messieurs là. Yo fire dans politique, yo fire dans sport, après ça gagne pile et ti boisson nou ka bolè, ti boisson pa gogo di non, yo gen droit comme compagnie ça yo pa paye pour ça mon pas jambe non mais non yo ça n'a boire yo mais pa bay ki dérangeant, yo pa en pile yo et tout. Mais nous vraiment enjoy nous enjoy choix entre nous-mêmes. Mais yo remet les 11 là bay et puis parce que gen pile pression, parce que tellement gen pile joueur, mais yo pa gen nèg ka prétend pour nous sortir dans 11 là. Mais réellement là et ou connait début dans phase ça. Et tu es capable de dire que qui est ce que tu as dit, si gentil, bah, pas difficile, c'est seulement Willow Saint-Just. Une seule question que je me pose, après l'offin joué, et l'offin joué, l'offin prend, ou fin pas joué encore, ou bien l'intention que tu as vu d'entraîner? Oui, c'est un grand plaisir que tu as vu d'entraîner. Chaque temps, c'est checker stagio, ça va jamais aboutir avec la fédération. Okay. Enfin, je me dis, monsieur, qui est stagio à faire? On va connaître et même son plaisir après. Donc, on a un pile stage, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Il y a un pile stage, il fait toujours. C'est son plaisir pour me coacher une équipe ou bien l'école de football tout Haïti. Mais qui peut qu'on va parler nous de ça. Qui pas vraiment, qui pas il faut vraiment pour vraiment prendre, les nous vraiment prendre parce que nous pas vraiment local. Nous m'a gâté mais l'école football pas vraiment prendre, nous pour terrain, place m'a gâté à compter c'est tu vas le mettre et pour jamais mettre terrain c'est là. Nous pas gain côté nous jouer travail monsieur yo passe et contrôle mais nous pas un terrain pour 100 pas 60 combien pour nous travailler avec monsieur. On t'a supposé pour nous ta un terrain et 100 pas 60 pas 68 ou 68. Nous pas gain c'est pas vraiment parler de football, c'est beaucoup jeune sponsor et tout ça, un petit sponsor à AN, il va répondre moins
Mwen ti kanpil sponsor. Non, ou vle pou rete nan football apre karyon. Apre karyon. Apre karyon, voilà. Pou ka forme jen. Sa va se, va le vim, sport men, se pa se le football. Mwen pratike basket tou. Oui, mwen jonge lode lan Don Bosco, ou te jwe an pil basketball apre an trijman. Mwen jwe an pil basket. Mwen jwe volleyball, mwen jwe an pil sport, son sportif. Ou ne yon sportif. Mwen jwe, en 2001 al nan jwe francophonie, apre nou fin elimine nan Canada. Nan université nan jwe nou fin elimine, nan jwe mwen mèm lous apil nek. E yo di bon, jwe francophonie pa yon basket. Sa mi, sa fè la, mwen di, football mwen jwe. E pa vle kwe, telman mwen gita nan basketball. Ok. Mwen son atlet ne. Ou wansè sou te pren basketball lote ka la NBA? Mba kwe, pase nou bak an pil jwe nan NBA. Se mwen zan mwen ke li Pierre Valmira ki gita plas an pil jwe, mwen se ba nipot 30 jwe kolej. E msik bay skal la bisi an pil lòt jwè. E se tout récemment bay sa komanse jwè nou konsa pou jwè nan NBA. OK. Ta la, nou sot pale de staj avan nou antre nan 11 lan. E nou sot pale de staj. Mwen pou mwen staj a pou problèm ke liye ou bien ki nan ak apran ou seminèr de formasyon. Kou nan pa do sou vle vin antrene, apran antrene a pou 2 an ou chita nan ou chita paske ou pa gantan jwè profesyonèl. Ou fòk ou pase ba. Sou te gantan jwè profesyonèl ou gon kote ou pas besoin passer mais aller actuel là qu'on y a là sous besoin pour ta venir comme un entraîneur moi réellement pas aucun problème avec entraîneur haïtien non mais les nègres ils subi un stage ils subi un séminaire ils fait comprendre que c'est coach lié là il y a un problème stage ensemble avec un séminaire pas qu'à fort venir entraîner mais où sont entraîneurs déjà le fait que jouer professionnel parce que pendant nègre là vous tout fait monsieur au passé stage yo, pour yon capable de niveau yon zike mouche capable mouche ka vine entraîner s'il vle vine entraîner parce que le tap joué. Est-ce que c'est un stage ou vle passer? Est-ce que ou bien ou vle passer ou vle pour apprendre coach la même? Mou vle apprendre ni. Okay. Mou vle apprendre ni Haïti ou bien Alexey ni pot kote. Nous pas gen l'école entraîner en Haïti. Nous même kap gade Haïti Foot TV la, fédération, li gen un pile travail li gen pour le faire en ça. A fois ou nega vine fait 3 jours, on semaine l'habitou ou dans les demain CV ou nega entraîner à l'IA. Et pourquoi ça? Mettez-vous l'école d'entraîneur en Haïti pour monsieur, pour former entraîneur. Ça veut dire que une semaine de stage, et soit une semaine de séminaire, ou pas qu'à venir dire entraîneur. Mettez-vous l'école pour ne pas connaître qui sac football. Parce que le football là, c'est un bagage qui est vaste, il est extrêmement vaste. Ça veut dire que faut que nèg connait l'entrée. C'est comme si nèg étudier docteur, oui. La étudier ingénieur, la étudier agronome, c'est ça lié, c'est football là, c'est ça lié. Moi personnellement, pas d'accord que pour nèg faire un stage une semaine et puis tout demain c'est vous entraîner. C'est pas possible et c'est ça qui permet que nous pas gain aucun entraîneur à l'étranger à l'heure actuelle. Nous pas jamais gain dans le passé, pour jusqu'à présent là nous pas gain. Le fait que nous pas prend et nous pas gain l'école ça en Haïti. Ça me déca conseille ou jeune ou va raccrocher campon sous décider pour venir devenir entraîneur c'est ça m'ta aimer pour ta rentrer dans l'école on connaît pas gain en Haïti chercher pour capable venir devenir entraîneur laisse ou sont entraîneur international donc là on paquet n'est qui pas comprendre ça nous gain équipe là qui boy ici là gain pile monsieur qui entraîne monsieur gain talent aux États-Unis là à l'heure actuelle cap entraîner ti équipe haïtien par nous mais gain talent pour entraîner quelle que soit équipe mais ou pas gain papier qui pour rendre que pour montrer que c'est entraîneur oui. Ça veut dire que si nèg a te gen papier depuis Haïti au moins, il est capable de dire que yo di nèg entraîneur li gon barrière langue qui barre li. Mais à l'heure actuelle, nous pas gagné ça en Haïti, nous voulons que la Fédération haïtienne de football yo capable mettre et ça en application pour nous capable gagner. On nous aller bien rapide 11 ans qu'on y a là. Ben nous 11 haïtiens de tous les temps. Ah, ou dis wow, devant c'est facile. De tous les temps. De tous les temps. Il est difficile. Et mais c'est de tous les temps. C'est des décennies ou bien. Non, pas des décennies. Pour mélanger NEC 74. Tout le monde n'est pour mélanger. Wow. On a les gens là. Dans le goal, on a joué avec les SS Petit. On s'est joué à SC. Et latéral droit. Latéral droit, je suis ensemble avec et Miguel Charles. Okay. J'ai passé dans Baltimore et avec sélection nationale. Et du central, je suis ensemble avec Jean-Jacques, ensemble avec Bruni. Okay. Latéral gauche, je suis ensemble avec Franck Gilles. Deux médecins défensifs, je suis ensemble avec Peter Germain, ensemble avec Monet Chéri.
demi droit, on joue avec Boussico. Demi gauche, et on joue avec Hussein Alichardson moi-même. Et on joue avec deux avancés, c'est Goldman avec Meyelas. On défend pile le temps, on joue ensemble avec Naouda de la Grave. Waouh, un bon 4-4-2 là, 4-4-2 classique. Un 4-4-2 classique, Boussico a mené un jouet, on met ensemble avec Boussico. Et des attaquants au Jobé Meneilas. Bon, allez bien rapidement, téléspectateurs, pour moi, si mémoire est toujours là. L'Angola, on va jouer ensemble avec Lesses Petit. Et comme arrière latéral droite, Miguel Charles. Et comme arrière latéral gauche, Frangil. Et Frangil là, son équipe est toujours là. Parce que depuis Blain Ovini, il dit, monsieur, il joue ça, il a besoin, il joue ça à l'appliquer. Et mais bien que le grand public a toujours dit, par contre, ça fait les monsieur. Et deux centrales, au front et Bruni ensemble avec Jean-Jacques. Comme deux demi-défensifs, et qui en promotion, on prend là, on a parlé de Peter Jemé avec Mounir Chéri. Et on mettait tête tout là, de même avec Gros l'autre joueur, il est offert, toujours mettait tête tout. Et on a parlé au même ensemble avec Jean-Michel Alexander Boussico. Et puis devant là, des gros attaquants, laisse à bas premier, l'autre lac deuxième. Et on a parlé bien de Jean-Roubert Menelas ensemble avec Goldman Pierre Digolo. Alors, c'est son bel 11 vous mettez là. C'est 11 par Hussein Richardson. Monsieur, on l'a dit sur le monsieur qui est le OAS. Pendant tout au long de l'émission, là, nous ne pouvons pas dire monsieur comme ça. Et nous ne pouvons pas dire monsieur ça. Et c'est mon chéri qui a dit monsieur, c'est OAS qui est le monsieur. Non, mais il m'a attendu Hussein Richardson. Je dis non, c'est OAS. C'est mon copain, mes amis. Monsieur, bon ami, lié. Et moi, avec monsieur, nous sommes entrés dans nos boscos la même année. Et dans l'époque là où tu prends 81 équipes qui fait stage là dans Bosco, que c'est deux nègres qui prend simplement entraîneur Miguel et Gabriel, ils te prend moi ensemble avec mon chéri simplement. Sous 81 nègres, et c'est seulement avec monsieur qui a une chance pour entrer là dans Bosco là ça. Depuis là ça moi avec mes amis moi avec monsieur tu commencé. Alors Richard Ilsena, c'est son réel plaisir nous même là Haïti Foot TV. Que nous te gagnons sous plateau là nous parler du football parler des carrières du football haïtien et de ou même personnellement sous ta bon mot spécial ou ta placé pour tout temps téléspectateur qui regardent là et qui ça t'a pied bon avant nous dit dernier mois et moi bien c'est nous en pile de nous inviter dans Haïti Foot TV son réel plaisir pour te participer ensemble avec nous pour te parler football. Et dernier mois, c'est avec dirigeant et qui fait football à Haïti. Faut investir plus dans le football là. Chercher sponsor pour capable sauver jeune athlète nous gagner à Haïti. Pour capable aller et puis devant. Nous remercions en pile pour participation à l'émission et à c'est ça qui passe là. Et parfois nous tellement t'as envie de parler ensemble avec Joël Oléo sur ta plateau, mais nous pas capable prendre un paquet de temps. Parce que tant ça nous gagne là, papa, ça tient à moi la brûlée. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes bien contents ensemble à voir pour nous présenter gros joueurs de football. La majorité nous sommes jeunes joueurs qui passent. Puis, gros rigueur, c'est parce que nous pas de joueurs professionnels. Et nous que nous gagnons qu'à ça là. Même avec le monde qui était dans le retour au stade, nous avons parlé de ça qui a gagné 20 ans de cela. Gabriel Michel Zitigana, nous avons parlé de ça. Nous avons parlé de Hector Kouchala, le junior, et le sénat Richardson Vinla. Puis go regret pas c'est parce qu'il pas de jeu professionnel. C'est avec un pile qui est content plaisir nous te gagne. Il Sénat Richardson ensemble avec nous sous plateau Haïti Foot TV. Rendez-vous c'est pour on va rendre pour qui parce que nous pas cadeau si c'est demain c'est si c'est après demain. Et nous qui tournons main déplamé papa bon Dieu tout puissant n'a pas croiser encore. Haïti Foot TV c'est pas nous toutes que lié. Ciao.